thank you Messieurs, bonsoir. Toujours dans le cadre de l'émission ou de la série d'émissions sur l'agroalimentaire chez nous en Appalaches, aujourd'hui, nous allons développer un, un thème très particulier soit les marchés euh, publics et aussi les paniers que les gens peuvent se procurer durant la période estivale, notamment. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Mathieu Ouéra-Bussière. Bonjour. Bonjour. Alors, toi, t'es. Propriétaire des jardineries euh, du canton à saint jacques de lille C'est oui, bien ça, oui. oui? la jardinerie du Et canton. Tu... Et tu es un des producteurs qui est ici, euh, quand je dis ici, à Thetford en permanence lors du marché estival. C'est bien ça? Oui. Bon. Euh, le marché cette année, euh, il y en a eu à quelques endroits aussi. Hein? Euh, ça s'est développé euh, sur le. Quand je dis ici, je parle du territoire de la MRC. Il n'y avait pas juste à Thetford qu'il y avait un marché? Non, il y en avait d'autres dans la région, Saint-Pierre-de-Bretonne, entre autres. Euh, il y en avait un à Disraeli. Il y en avait un autre à Saint-Jacques-le-Majeur. Donc, euh, puis il y en a depuis quelques années, même hors région, mais dans, dans notre plus grande région autour, euh, il y en a qui sortent, il y en a qui ferment, ça revient, mais c'est une tendance qui est à la hausse. On voit les marchés, euh, toute l'alimentation de proximité. Euh, que ce soit des kiosques, que ce soit des marchés, euh, les paniers de légumes. Il y a plein, les, tous les circuits courts aussi, de la, les balades gourmandes, euh, les arrêts gourmands, euh, la route des fromages, la route des vins, toutes ces choses-là, c'est une tendance générale euh, que les gens veulent se rapprocher du producteur, veulent se rapprocher euh, de, de la fraîcheur des produits, puis savoir quest ce qu'ils mangent, puis avoir le contact, l'échange avec le producteur aussi. Euh, tu me disais juste un peu avant le début de l'émission... Que le marché à Tatford va en être à sa dixième saison en 2017. Oui, c'est ça. Okay. Année. Et que vous autres, vous êtes là depuis le tout début. Ouais. Quand mmh. je dis vous autres, là, je parle toujours de la jardinerie du canton à Saint-Jacques-de-Lille. Oui, c'est ça. Au vous départ, c'était notre. C'était moi et ma conjointe. Euh, c'était Fantaisie potagère, parce que c'était nos. Il n'y avait pas de producteurs au départ de, de légumes dans la région. On était les seuls producteurs, puis on amenait les surplus de notre jardin. Donc, c'était minime. Après quelques heures, notre table était vide. Mais bon, c'était nos débuts au marché. Puis, c'est un peu euh, l'idée du marché à cette époque-là c'est que ça nous a permis de tester un peu le marché, de voir, bien, il y, a, il y a de la demande pour les légumes. Fait que ça, ça nous a porté à, finalement, à développer le côté légumes beaucoup plus important, là, euh, comme on le fait aujourd'hui. Et quand on passe à Saint-Jacques-de-Lille, dit qu'on s'en va vers Québec. On ne peut pas vous manquer à gauche, là, parce que là, vous êtes euh, très visible. Oui, nos serres, notre serre de jardin euh, est, est placée sur la rue principale. Là. Et si ça fait 10 ans que vous venez à Thetford, est-ce qu'on peut penser que votre présence ici est profitable? Oui, je pense que les gens sont contents. On a une clientèle, un noyau de clientèle fidèle. Il y a un noyau de clientèle qui est variable, mais les gens, euh, il y a au moins, je dirais, au moins la moitié des gens qui viennent au marché pour des légumes. Fait que ce soit les nôtres ou ceux d'un autre producteur, ou souvent il y en a qui, qui encouragent un peu, un peu tout le monde aussi. Donc, euh, c'est certain que les légumes, c'est un des, des produits recherchés là, dans un marché. Euh, au cours des premières années du marché public à Thetford, euh, vous étiez installé en avant de l'église sur la rue Notre-Dame, en avant de l'église Saint-Alphonse, puis même ici, en avant du centre communautaire ouais. où on est, là, ou au moment où on se parle. Et là, euh, depuis quoi Ça fait trois ans, quatre ans, vous êtes déménagé. Euh, tout près du, de ce qu'on appelle maintenant le centre historique euh, de la Mine King, le COBE 3. Oui. Euh, là, vous êtes installé là, ça fait ça à peu près 3-4 ouais. ans. Hein? Ouais. Est-ce que ça a, eu, ça, ça a représenté pour vous autres une amélioration? Euh, non, on a perdu de la visibilité. Donc au début, euh, puis même encore aujourd'hui, c'est moins pire là, la dernière année, mais les gens nous cherchaient encore. Euh, c'est certain qu'être au, au centre-ville, euh, quand on ferme la rue Notre-Dame, euh, puis qu'on est tout installé là, c'est dur de le manquer. Là. Ouais. Tandis qu'au site, maintenant, KB3, euh, ben, c'est plus reculé, c'est le bout d'une petite rue, donc c'est moins visible, il fallait, euh, fallait que les gens le sachent un peu plus, là. ils ne tombaient pas sur le marché par hasard. Donc, euh, mais là, avec la publicité, tout ça, on, on, c'est beaucoup mieux que c'était. Euh, maintenant, l'objectif d'aller là, c'est d'être arrimé avec d'autres projets d'importance qui s'en viennent dans la région, là, oui. dont le développement de, de kb 3 et le centre de transformation qu'on est, qui est qu espère qu'il va aboutir, là, mais oui. qu'on qu entend parler depuis plusieurs années. Donc, donc autrement dit, euh, vous, vous investissez pour l'avenir. Quand oui. on dit on s'est déplacé parce qu'on sait qu'est-ce qui s'en vient, ça va nous être profitable encore plus. Oui. Puis quand tu parles du, de Kobe 3, le centre historique de la mine King, ben, qui est géré par le musée minéralogique et minier, maintenant qu'il est ouvert depuis le mois d'août 2016, euh, j'imagine qu'il va y avoir une publicité adéquate pour attirer beaucoup de gens euh, au cours de la prochaine saison estivale. Et ça vous, ça vous sera probablement profitable parce que vous êtes là, vous êtes à côté. Oui. Bon, et ouais, puis... euh, quand on parle du centre de transformation, euh, euh, Carole Mercier euh, va, en a parlé justement euh, dans le cadre de cette euh, série d'émissions qui parle euh, du plan de développement de la zone agricole. C'est un peu pour ça que tu es ici aujourd'hui, parce que dans tout l'ensemble des grandes orientations, euh, de vendre des produits qui sont faits chez nous et des de transformer pour les vendre chez nous, Bien là, vous entrez très bien dans ça, vous autres, le marché public. Oui, oui, c'est le marché public. Puis le centre de transformation va, être un, va permettre encore là de, de, de faire des tests, d'amener, puis d'avoir le marché à côté. Euh, et on va trouver un certain arrimage pour qu'on qu 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 puisse vendre directement. Donc, c'est la suite logique, finalement, on transforme, puis on amène nos consommateurs. Oui. Donc. Et euh, le, le vice-président de l'UPA, Michel Nadeau, me disait dans le cadre d'une émission qui traite justement du PDZA, par, particulièrement au niveau du plan d'action, quand il est venu en parler avec le maire euh, de Kenner Smith et préfet, là, M. Vachon, Paul Vachon, ben, il disait que justement, il y aurait un point de vente permanent aussi euh, au centre de transformation. Ouais, ben donc, ça va peut-être inciter les gens davantage à se rendre dans ce secteur-là, donc ça va être bénéfique pour vous autres. Ben normalement, oui, parce oui. que tout ce qui est achalandage, augmentation de l'achalandage, va être bénéfique. Euh, maintenant, ça va permettre d'avoir des produits euh, peut-être peut frais, mais surtout transformés euh, en disponibles tout le long de la semaine, finalement. Dans les produits frais, ben probablement quelques jours, à moins qu'il y ait évidemment d'en du, euh, de, ramener euh, durant la semaine pour, pour, pour fournir le, oui. le kiosque. là. Mais, euh, mais le fait d'avoir euh, de être tout ça regroupé, euh, d'avoir le, le 125e cette année oui, à, à j'imagine avec le centre, tout ça, bien, il va probablement avoir là, euh, un effet de levier. Oui, aussi. Puis un achalandage accru oui, dans ce secteur-là. La publicité oui. va être va être de, encore plus grande cette année. Euh, il va y avoir le, la curiosité des gens qui va faire oui. que, oui, on va. Euh, on, on devrait augmenter là, notre achalandage. Oui, encore puis là. le centre historique est appelé à prendre de plus en plus d'importance et de place dans les événements de la région. On, on prend, pour exemple, euh, le carnaval d'hiver qu'il y a eu au début de l'année 2017. Bien, les activités se sont déroulées au centre historique. Donc, oui. euh, durant la période estivale, euh, avec les fêtes du 125e, il y a sûrement beaucoup de choses qui vont se dérouler dans ce secteur-là. Mais étant donné que vous autres, là, le, le Centre de jardinage des cantons, du canton là, de Saint-Jacques-de-Lise, vous êtes là depuis le début. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'évolution depuis entre la première et la neuvième année et vers la dixième année en 2017 là, cette année? Oui, il y a eu une belle évolution. Le marché a toujours eu, euh, a toujours eu une croissance. Bon, des petites vagues, c'était là, mais en général, là, cette année a été notre, notre plus grosse année depuis, depuis le début avec une vingtaine de producteurs. Euh, le succès à Tedford, mais pourquoi que le, le, le marché public de Tedford est aussi reconnu euh, comme un des, sinon le plus beau et le meilleur marché dans la région des Appalaches, c'est beaucoup parce que au départ, on a pris le temps de se donner une, des, euh, une politique de fonctionnement et des règlements généraux qui nous permettent d'avoir un certain contrôle. Donc, euh, on, année après année, on a toujours un travail assez difficile à faire au niveau de, de l'offre et de la demande. Évidemment, les gens veulent venir pour des légumes. Euh, au départ, il n'y avait pas de légumes dans la région. On avait nous autres, notre petite production qui partait en deux heures, là, mais sinon, on a fait appel à des gens de l'extérieur qui sont venus de d'autres régions, mais qui ont comblé euh, ce besoin-là. Encore aujourd'hui, si on, on voudrait un producteur de cheval ou, aller à, ou des fromages fins qu'on n'a pas dans la région, on est ouvert, on fait les téléphones, on essaie de trouver finalement des producteurs ou des, des transformateurs de d'autres régions pour venir combler ce, ce trou-là euh, pour avoir la plus belle offre possible. Par contre, on ne peut pas avoir. Cette année, on était quatre producteurs de légumes. Euh, on en a refusé. On ne pourrait pas avoir huit producteurs de légumes. Parce qu'à ce moment-là, la grand... chalandage. L'achalandage ne le permettrait pas. Ouais. Donc, c'est -ce qu va... qu'on va les perdre finalement. C'est de trouver si. Euh, exemple, on en a un qui fait de l'autruche. On ne peut pas en avoir deux qui font de l'autruche. Les deux eh, ils vont vendre la moitié moins ou presque, puis l'année d'après, ils ne seront pas là. Donc. Euh... Et puis, on a, on a fait le choix aussi au départ de, de, de ne pas avoir de produits de revente. Donc, tout ce qu'on trouve au marché public de Tetford. Ça a été cultivé ou transformé ou fabriqué, parce qu'on a des artisans aussi, par les, produ par les producteurs artisans. Donc, euh, ça serait facile de dire ah, on va faire un beau kiosque avec. Euh, plein de variétés de, de fromages ah oui, fins de Québec. Moi, je pourrais, je pourrais euh, me rendre à, à Victoriaville, dans les bois francs, puis en, euh, dans l'érable, puis ramasser les fromages extraordinaires qu'ils font dans ce ouais. coin-là, puis m'ouvrir un, un beau stand. Et puis, oui, ça puis... va fonctionner, sauf qu'à ce moment-là, ça je peux pas le faire, non. parce que c'est pas moi qui transforme le lait ça. ou le, euh, le, la, la crème en, en fromage. C'est ça parce qu'on veut avoir euh, le, le, la proximité avec le producteur. Le marché public, c'est un, une extension de la ferme. Donc, c'est le, le producteur qui vient offrir ses produits euh, dans, dans le fond, qui se sert du marché pour avoir sa table, pour avoir un achalandage, pour offrir son produit. Donc, le client a le contact direct avec le producteur artisan, euh, ce qu'il n'y a pas à l'épicerie. À l'épicerie, on va l'avoir, l'étalage de tous les produits finalement de, 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 de fromage fin. On va avoir probablement un spécialiste qui va être bon pour nous en parler grossièrement, qui va nous donner l'information qu'on veut, mais on n'aura pas le, le contact. Du, du producteur ou du transformateur qui a fabriqué le fromage, qui, oh, oh, qui l'a brassé, oh, oh, qui a parlé autres, du vieillissement, qui l'a flatté, puis qui va être capable ouais. de, de, de vous expliquer tout ça. Donc c'est ce qu'on, ce qu'on a, c'est ce qu'on va chercher de plus dans un marché. Mais pour éviter finalement qu'on qu retrouve de tout et, et de rien, ben on, on s'est donné des règles. Puis c'est ce qui a fait que des fois, ben on on a eu euh, toutes sortes de petits commentaires, sauf que les... les gens se sont rendus compte que oui, la formule est gagnante parce qu'on a une très belle croissance. Euh, les gens, il y a une belle ambiance, il y a des belles activités. Les gens sont contents de venir au marché. Puis euh, justement, on a pas, euh, ça n'a pas viré après 10 ans. Euh, on, on, a, on a toujours un bel équilibre dans les produits à faire. Donc c'est toujours ça, cet équilibre-là entre l'offre. Pour les... Et la rentabilité pour le, le producteur, pour que ça vaille la peine de se déplacer, parce que sinon, il ne reviendra pas. Ouais. Puis on le perd, ben c'est tout bad, non? il n'est plus là, il, rev... il va trouver un autre, un autre mode de commercialisation. Oui, tu, tu disais donc le principe, euh, c'est-à-dire l'équilibre entre la diversité ouais. des produits. Puis la rentabilité des, des producteurs qui ben sont oui. là. Alors, c'est pour ça que tu dis on, nous, on s'est donné comme principe, ou en tout cas comme marge de manœuvre, de dire bien là, euh, on ne mettra pas deux vendeurs de, 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 de chevreuil, de viande de chevreuil. On va en mettre un. Euh... C'est ça. Dans des, dans des viandes, dans des produits spécialisés, pour l'instant, c'est seulement un. Euh, à moins que, si je vous donne un exemple, qu'on aurait un producteur de bœuf, qu'on ait un producteur de veau de lait. On pourrait avoir un autre producteur de. De porc? Non, mais même dans le bœuf, ah, que je veux dire, boeuf, là, oui, mais okay. que, que, que pas du tout le même produit, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Oui, OK. Euh, mais dans le sirop d'érable, par exemple, euh, s'il y en a un qui a juste du sirop en canne, puis qu'il y en a un autre qui offre une panoplie de produits, bien, on va prendre les deux, ou on, on va dire, bien, on, on va favoriser celui qui a toute la, la panoplie de produits. Puis... – Comprenant la, 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 la boîte de sirop, oui, puis le beurre d'érable, euh, et ah. enfin tout. – ouais. okay. Puis au niveau des, des, des de l'artisan, quand il y en a un qui ont fait des bijoux, bien, on essaye de ne pas en avoir deux trois qui vont faire des bijoux. Parce qu'encore là, c'est pas la principale chose pour pourquoi les gens vont dans un marché public. Mais souvent, ils vont être contents de, de, de voir des artisans qui vont offrir d'autres produits comme ça. Donc, c'est cet équilibre-là. Puis on veut pas que le que le marché euh, devienne un, un marché d'artisans non plus, parce qu'à la base, c'est de l'agroalimentaire. Maintenant, on a un pourcentage selon le nombre de kiosques. Alors, plus que le, le marché va prendre d'expansion, de, de, bien, à chaque fois, on peut augmenter un petit peu le nombre d'artisans, de, 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 oui, de créateurs okay, qui oui. viennent se, se greffer. Bon. Il y a aussi dans la région... Un créneau qui se développe de plus en plus, puis vous autres, euh, dans votre entreprise, dans votre jardinerie, ça fonctionne, là. ce sont les paniers. Oui. Euh, et ça, ça c'est un phénomène là, qui, se, euh, qui se répand de plus en plus là, au Québec, je, je dirais peut-être depuis une dizaine d'années. Oui, ben presque le double. Mais ça en fait peut-être ouais, ah, ah, oui, peut depuis une dizaine d'années que ça prend plus d'expansion, donc c'est exponentiel un peu. Hein, plus, a, plus ça prend de place, plus on entend parler okay. plus fréquemment. Donc, j'aimerais ça que tu m'expliques c'est quoi ce phénomène-là, c'est quoi ce principe-là de dire j'achète un panier, ça peut me coûter combien, euh, je peux avoir quoi, puis euh, de quelle façon je, je m'y prends? Bien, d'abord, ça... ça c'est arrivé d'une nouvelle philosophie un peu de mise en marché de, de, de l'agroalimentaire. Euh, on a passé de, des grosses fermes qui, 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 qui en finissent plus d'être grosses finalement pour faire de la commercialisation à grande échelle, où est-ce que la relève était de plus en plus difficile? Donc, euh, on est, on, les, la nouvelle génération vient beaucoup dans un, dans, un, dans un esprit qui est complètement différent, c'est-à-dire de, de cultiver beaucoup plus petit, mais de le rendre directement localement aux consommateurs. Donc, les marchés publics sont, une, sont un exemple, mais le, le panier de légumes est un très bel exemple aussi. Donc, le, pro, le producteur va prévoir finalement euh, un volume de, de panier à offrir, donc un volume de production. Le, le client... Le, qui, le, qui, vient, qui vient acheter, va payer une partie d'avance, donc va aider le producteur euh, dans, 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 dans sa ces planification, coûts ouais, dans, ouais, ses ouais. Coûts de, dans ses coûts qui doivent être élaborés avant. Donc, il y a un certain risque à ce niveau-là que, que le consommateur vient prendre. En contrepartie, l'année, quand les productions sont bonnes, bien, le producteur en fait profiter aussi le client. Euh, il va donner une plus grande abondance. Donc, c'est un peu euh, un échange là, de bons procédés qui se fait entre le, entre le client et le producteur. Maintenant, le producteur va souvent produire, euh, après qu'il y ait un certain nombre de paniers, une grande diversité de légumes qu'il va offrir à chaque semaine, généralement, qui va apporter un point fixe. Donc, le client qui dit Bon, ben, moi, par exemple, je veux un panier à 25 euh, à toutes les semaines, ben, il va se rendre à, ici, par exemple, à l'église. Le point qui est convenu avec le producteur, le mardi soir, entre 6 h ou entre 4 heures et 6 h, pour venir chercher son panier. Ah oui. Alors là, tous les clients vont passer pendant cette période-là pour venir chercher leur panier de, de légumes pour la semaine. Et là, ils peuvent. Ils ont la surprise de découvrir c'est quoi les légumes qu'il y a dans le panier. Oui, il y a une certaine surprise. C'est sûr qu'à un moment donné, après quelques semaines, on. Il y a des légumes qui vont venir, les laitues, les, les euh, on n'aura pas de carottes la première semaine. Ça, ça va suivre un peu le, la production logique. Dans notre cas, on a des serres, il y a des légumes, des tomates qu'on va être capable d'avoir beaucoup plus tôt, des concombres. Il y a des légumes, selon les modes de production des producteurs, bien, il, y a, il y a de la variabilité là-dedans. puis C'est un peu la touche personnelle de chacun. Mais l'idée, c'est qu'on suit les légumes de saison et puis en ayant une certaine diversité pour... Euh, pour avoir la plus belle offre possible, finalement, pour le, le consommateur. Et dans la région des. Euh, sur le territoire de la MRC des Appalaches, euh, en 2016, il y en avait combien de producteurs euh, qui offraient ce service de panier? Il y avait trois producteurs. Vous étiez euh, trois. Euh, ouais. Ouais. Mais il y en avait d'autres aussi. Là, bien, dès qu'on qu sort un petit peu de la région, là, de plus en plus. Mais comme vous autres, là, étant donné que c'est toi qui es ouais. ici pour, pour répondre à mes questions, euh, vous autres, là, vous en aviez combien euh, de la jardinerie là, du canton de Saint-Jean? Nous autres, on faisait une soixantaine de paniers l'an dernier. Est-ce on... que vous auriez pu en faire plus? ou euh, bien, La demande est là pour en faire plus. Ah, on oui? va augmenter cette année. Par contre, on y va avec notre capacité de production. Mais euh, oui, nous autres, on avait un point de chute qui était à saint jacques de Donc, il y a des gens qui peuvent venir de la région directement chercher leur panier chez nous euh, au centre-jardin. Puis, on avait un point de chute à Ted là, qui était au Trois Petits Chats, euh, le centre d'amusement. Ah oui, 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 oui. Donc, les gens, le mardi À côté ouais, c'est ça. Venaient chercher leur panier là, là à, à toutes les semaines. Et là, euh, comme moi, là, si on est juste deux adultes. On n'est oui. pas une famille de quatre cinq. On peut prendre un panier, je sais, il y a, a différentes ça, selon les producteurs, il y a différentes formules. Nous ouais. autres, on se les fait demander beaucoup d'avoir un panier plus petit par justement des gens qui étaient soit seuls ou, ou des couples qui ne mangeaient pas beaucoup de légumes. Euh, comme on fait des paniers doubles euh, double, si on veut, pour des gens qui ont beaucoup d'enfants, qui mangent famille. beaucoup de légumes. Est-ce on... c'est possible, ça, d'arriver? Oui, bien, ça rendu là, c'est vraiment selon les producteurs. Nous autres, la façon que ça fonctionne, à partir du moment que la période d'inscription est, est lancée, bien, sur notre site Internet, il euh, y a un formulaire, puis justement, il y a différents choix d'inscrire là-dessus. Donc, les gens choisissent un peu là, ce qu'ils veulent pour leur abonnement. Et tu, et tu me dis, Mathieu, que vous en aviez cette, ben, en 2016 oui. une soixantaine oui. et que vous avez été obligé d'en refuser. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a du potentiel là Ah Oui, la, 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 formule, oui, oui la, la formule est appréciée. Euh, de plus en plus, il y a de la demande, mais euh, c'est ça. Dans la région ici, il n'y en a pas énormément. Il y en a un qui en fait 200 à Inverness. Les jardins d'Inverness, il fait plus ou moins 200 paniers depuis plusieurs années. Ah, puis Inverness, il... bien, c'est pas sur le territoire de la MRC des Appalaches, mais, mais c'est aux voisins. c'est ses voisins collés. Oui. Euh, à Saint-Gilles, qui sont pas très loin, il y en a un petit peu partout. Donc, euh, c'est une tendance qui, qui, qui continue de prendre d'ampleur puis qui continue de s'installer. Et pour vous autres, là, à votre entreprise, à oui. Saint-Jacques-de-Lize, est-ce que c'est une belle façon de vous assurer de distribuer vos, vos, vos produits? Oui, le gros avantage, c'est que c'est vendu d'avance. Donc pour le producteur, euh, moi quand je, je prépare mes paniers, j'amène ça, euh, je reviens les mains vides. Si j'arrive au marché public avec euh, ma production, puis qu'il y a des gros orages, il pleut, il fait froid, il vend, et je reviens avec ma production. Puis le fait que c'est du frais, si je vendrais de la confiture, ben c'est plate, mais je vais la repasser la semaine prochaine. Mais euh, ma laitue. Euh, elle ah, va peut-être être un peu défraîchie ouais, une semaine plus tard. Oui, ouais, c'est ça. Ça ne se vendra pas la semaine plus tard. Là. On va la garder une journée ou deux, mais pas plus que ça. Donc, euh, c'est ça. C'est un gros avantage pour nous autres d'avoir euh, finalement des paniers puis d'amener un surplus. Donc, euh, dans notre cas, le marché, bien, il vient pour nous aider à passer nos surplus. Puis la priorité va évidemment à Sur nos les paniers, paniers parce ah, qu'eux oui. autres nous ont encouragés, ont supporté... Euh, finalement l'investissement en, en, en payant d'avance. Donc c'est certain que ça va être eux autres qu'on va prioriser. Ouais. Ça fait combien d'années vous autres euh, que vous offrez ce service-là des paniers? Euh, c'est la deuxième année consécutive. On l'avait déjà ah, bon, fait okay. il y a plusieurs années. Cette année, on avait ajouté aussi une formule euh, découverte. Donc à chaque semaine, ceux qui voulaient euh, payer un petit extra, puis on, on, mettait un, on faisait découvrir un autre produit de la région. Exemple des sureaux, des confitures, euh, les produits, justement, on parlait de Paul Vachon tout à l'heure, les fruits qu'on amenait euh, euh, en saison, etc., du miel. Euh. Donc, à chaque semaine, il y avait un produit surprise qui venait se greffer ouais. au panier. Bien, euh, dans le panier, là, euh, en cours d'année, ça, ça dure sur une période de combien, là, dans, Pour nous, c'est une quinzaine de semaines. Donc, ça va partir autour de mi-juin jusqu'à la fin septembre. Jusqu'à fin septembre? Oui. Et dans le panier, euh, finalement, là, dans ces 12 ou 15 semaines-là... On va avoir une variété de légumes de à peu près combien? Euh... Ouais, une 40, 40 à 50. Ah oui, légumes, que ça. oui, oui. On a une grande diversité. Ça veut dire que vous autres, là, vous, euh, vous cultivez beaucoup, là. Quand on arrive à 40 euh, variétés de légumes, là, oui. euh, ça, ça prend de l'espace. Euh... Oui. Mais c'est cultivé de façon intensive sur petite surface aussi. Donc, contrairement à la culture traditionnelle, on densifie énormément la culture. Donc, on n'a on pas, eh, pas si grand espace que ça, mais c'est très, très productif. Est-ce qu'on peut dire que chez vous, euh, la jardinerie du canton, c'est une PME? Est-ce que vous avez oui. beaucoup d'employés? Parce que j'imagine que employés. Vous pouvez pas faire ça en euh, à à conjointe deux. étoile. Hein? <laughs> non, 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 non. On a cinq employés là, Ah, vous avez trois. cinq Donc, vous êtes une PME? Oui. Est-ce que les gens travaillent 12 mois chez vous non, ou plus? saisonnier? j'imagine à partir davril quoi, avril-mai? Oui, ouais, avril -mai, euh... ouais, à peu près. À peu près avril-mai, parce que mai-juin, c'est la grosse période de fleurs. Ça dure deux mois. Après ça, les fleurs, c'est à peu près terminé. Fait que le reste de la saison, c'est le légume. Donc là, s'il y a des gens qui nous écoutent là, qui seraient intéressés à justement à. À, à vérifier la possibilité d'avoir un panier pour l'été 2017, qui qu s'en qu vient les prochains mois. Euh, de quelle façon on pourrait procéder? Bien, ils peuvent nous suivre. Le plus simple, c'est d'aller voir sur notre site Internet. Ah, le, ben oui. Alors, c'est quoi le site Internet? www.jardinerieducanton.com. Www, ah, mon Dieu, Tout aussi simplement. simple que ça. Ouais. jardinerieducanton.com. Oui, puis on est sur Facebook aussi. Donc, les nouvelles, euh, on les fait apparaître. Euh, on les fait apparaître là. Puis lorsque ça va être le temps d'inscription, probablement autour du mois de mars, on va faire, euh, faire l'annonce sur Facebook. Là. Ah bon, OK. Alors... Euh, Mais toute l'information toute est sur notre site Internet aussi. Là. OK. Alors, euh, rappelons que c'est jardinerie-ducanton.com. Aussi ouais. simple que ça. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Eh bien, euh, Mathieu, euh, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et vous, bien, euh, je vous invite à poursuivre euh, la l'écoute de cette série d'émissions sur le plan de développement de la zone agricole. Au revoir. La francophonie, c'est beaucoup plus qu'une langue universelle. C'est un milliard de personnes sur les cinq continents, 20 du commerce mondial, 84 États et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la francophonie et plus du tiers des États membres de l'ONU. Une grande puissance médiatique dans plus de 200 pays, la deuxième langue seconde la plus apprise dans le monde, plus de 800 établissements d'enseignement supérieur et de recherche et 900 000 professeurs de français. Bonne journée internationale de la francophonie le 20 mars avec impératif français. La télévision communautaire de la région des Appalaches (TVCRA) vous invite à consulter son site web au www.tvcra.com. Vous y trouverez une foule d'informations sa mission, son historique, ses émissions, sa grille horaire, son bingo, les services offerts et nos coordonnées. Ainsi, sur www.tvcra.com, vous aurez la possibilité de visionner nos émissions et de nous faire parvenir vos commentaires.